Oui, bonjour. Nous sommes tous des commissaires régionaux, commissaires nationaux de toute la région de Madagascar, des 25 régions. Nous avons pu faire une réunion, nous avons pu faire une conférence abordant la paix sur l'être humain, sur l'environnement, sur le social, surtout pour ce qui est être sous la paix. Et ils sont engagés, fermement engagés pour devenir de vrais messagers de la paix. Alors nous pouvons tous dire. Merci et vous aussi vous le serez. Au revoir. Cette formation nous a permis de recentrer les stratégies pour la formation de nos jeunes dans l'amour de la paix. Et nous nous engageons à être des acteurs véritables de la paix. La formation qui a été dispensée tout à l'heure concerne l'activité numéro 3 dans notre plan d'action dans la réalisation effective du projet Cœur de la Paix. On a insisté surtout sur les diverses activités que nous pouvons réaliser en partenariat avec les parents, qu'ils soient scouts ou non scouts, que nous serons toujours partenaires dans l'éducation de nos jeunes pour qu'ils soient vraiment citoyens actifs et que nous pouvons leur faire confiance, surtout qu'ils soient autonomes, solidaires et engagés. Nous souhaitons vivement la participation de tous dans cette activité pour qu'elle soit vraiment effective. Et comme en 2014, nous allons célébrer le 90e anniversaire du scoutisme Tileton Madagascar. Nous souhaitons vivement votre participation et nous souhaitons donc votre venue ici à Madagascar. Ensemble, nous vaincrons et que la paix soit avec nous. Na mulu lava.